Mélancolie de chez Folifringue. Gros coup de cœur pour cette petite robe noire. C'est totalement le style de robe que j'adore l'été. Les robes en coton ultra élastique, ultra jolie. Vraiment très sympa avec les petits détails blancs, la petite fente en bas. Elle est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup. Ensuite, énorme coup de cœur pour cette tenue. Je la trouve trop trop belle. Pour l'été, c'est trop trop joli. Genre c'est un top avec la petite jupe tout en dentelle. Derrière un peu plus long. J'aime trop, trop beau. Là, le petit détail ici sur l'épaule. Trop, trop joli. C'est un énorme coup de cœur pour cette petite tenue aussi. Trop, trop jolie. Donc, petit top à nouer cache-cœur avec le petit pantalon. Matière un peu comme de la soie. C'est vraiment hyper fluide. Genre, pour l'été, c'est vraiment très beau. Et en fait, vous voyez, c'est une combi. Genre, combi qui est élastique d'ailleurs à ce niveau-là. Donc, c'est hyper pratique à enfiler. Et en fait, devant, on dirait un top avec un pantalon. Mais c'est une petite combi tout y est accrochée. Mais c'est trop beau. Alors, sublimissime, cette petite robe longue. Pour ceux qui aiment les robes longues pour l'été, un peu colorée, avec vraiment les petites manches un peu bouffantes. Elle est très classe. Trop belle, les couleurs. Franchement, elle est vraiment sublime. Il y a plein de petites robes dans ce style sur le site. Et vous voyez, elle est élastique. Donc, elle est vraiment moulante. Mais s'adapte vraiment à la morphologie. Et ça, c'est cool. Résultat, comme c'est trop joli. Franchement, je fais rarement de nail art. J'aime bien les basiques. Mais vous voyez, j'ai gardé ma base amande avec la couleur bubblegum en dessous. Et dessus, j'ai fait un petit côté fleuri. C'est une pose que j'avais vue sur Insta. Je l'ai montrée à la fille et elle m'a fait à l'identique. Franchement, j'adore. C'est trop joli. Ça change grave. Même la French colorée, c'est hyper sympa, je trouve. Vous voyez, j'ai mis du violet, là du jaune, du rose clair. Mais franchement, les détails et tout... c'est trop beau, j'aime trop. Bon, sinon j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi oui, je suis rentrée à la maison. Je vais prendre ma douche, mais avant ça, je vais faire mes petits soins visage puisque c'est vrai que généralement, je me fais mes soins le dimanche et hier, j'ai pas eu le temps. Du coup, je vais les faire maintenant parce que franchement, j'en ai trop besoin quand on a l'habitude de se faire ses soins visage. C'est ultra important. Donc déjà, pour commencer, en même temps, je vais vous partager ma routine. Je vais me démaquiller le visage. Donc là, j'ai pas de make-up, mais toute la journée, j'étais dehors et même j'ai été faire maison que j'ai eu plein de poussière dans la tronche. Du coup, je vais venir déjà tout retirer pour partir sur une base propre. Donc je mets mon démaquillant, celui-ci, donc c'est sous forme de lait, moi c'est ce que je préfère, à part quand je me maquille beaucoup, je prends celui sous forme d'eau micellaire parce qu'il enlève vraiment bien le mascara, etc. Mais lui vraiment, j'adore quand c'est sous forme de crème parce que franchement ça donne un côté hydraté, oh, ça fait trop du bien, j'en avais tellement besoin, ça donne un côté hydraté, la peau elle est toute propre, toute fraîche. Donc là, ma peau est bien propre. Vous pouvez voir, j'étais pas maquillée et regardez les impuretés que j'ai accumulées dans la journée. Donc c'est important, même sans être forcément maquillée, de des fois venir se démaquiller le visage. Enfin, moi, je le fais régulièrement, notamment le soir ou le matin quand je fais un bon nettoyage de peau. Ça fait trop du bien. Et ensuite, ça, c'est vraiment ma pépite. C'est mon indispensable. Je le fais toutes les semaines, au minimum une fois. Je le laisse poser sous forme de masque comme je vais le faire maintenant. Vous le passez sous l'eau, vous faites mousser. Et vous appliquez et vous laissez poser. En fait, ça fait un masque au lait de chèvre. Et en fait, tous les bienfaits qu'il y a à l'intérieur, donc je rappelle que c'est un produit naturel, vont venir traiter tout ce qui est boutons, acné, psoriasis, eczéma, tous les problèmes de peau extrêmes au quotidien. Et franchement, j'ai jamais eu une peau aussi belle depuis que j'utilise le savon masque de chez Pinup. Il est vraiment miraculeux pour les problèmes de peau. C'est vraiment moi, ma pépite et mon indispensable. J'en ai toujours du stock à la maison. Benji, c'est pareil, on l'a sous la douche, je me lave le visage avec aussi et sous forme de masque aussi. Enfin, franchement, il est génial, je vous montre l'application. Donc regardez, là je l'ai passé sous l'eau. En fait, je fais mousser et vous récupérez la petite mousse de lait. Donc hop, je vais l'appliquer en couche épaisse sur tout le visage. Et je vais laisser poser une quinzaine de minutes. Et ça, franchement, même si vous avez des micro-kystes, moi j'avais plein de micro-kystes autour de la bouche, notamment quand j'avais mes règles et tout. Et franchement, j'ai jamais réussi à m'en débarrasser, sauf quand j'ai connu Pinup, notamment ce produit-là. Vraiment pour les boutons, même il y a des avant-après, vous voyez des personnes qui ont beaucoup d'acné, qui arrivent à traiter tous leurs boutons avec le savon masque au lait de chèvre. C'est vraiment un produit qui est miraculeux et que j'adore et que j'utilise depuis maintenant, je crois, peut-être plus de 3 voire 4 ans. Bah, depuis ce temps-là que j'ai une peau franchement vraiment super. Même pendant ma grossesse et tout, je l'utilisais au quotidien et j'ai pas eu du tout de boutons ou quoi que ce soit. Franchement,
Vous voyez, j'applique bien comme ça. Vous pouvez même mettre sur le corps aussi. Et je laisse poser 15 minutes. Vous pouvez traiter les boutons si vous en avez dans le dos, le décolleté, etc. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que ça dit l'avocat ? Bébé ? Oh, bah, t'es suivi, t'es toute morte. C'est bon ? C'est bon l'avocat ? Oh, ça bave, hein ? On va mettre le petit bavoir. Ouais.